ici, et nous avons assisté à cet événement, plusieurs fois centenaire et culturel. Et vos premières impressions? Alors c'est très folklorique, très... ça sent du terroir. Ça sent du terroir. Quelque chose de particulier. Carnaval de Pêche, c'est pas comme carnaval de Venise. Pas très expliquant. J'aime beaucoup l'atmosphère, voilà, c'est festif, c'est joyeux, tout le monde peut participer et veut participer, donc c'est vraiment très sympa. D'origine bergeoise, par mon papa, et j'habite à la Côte d'Azur. J'habite à la Côte d'Azur, moi aussi. On va rejoindre tout de suite Aurélien, parce que je pense qu'il nous attend sur la campagne. C'est une nouvelle fois bien accompagnée avec Zacharie des Réguénères, encore un roi Gilles. Oui, Zacharie, on est à son 8e carnaval. Comment ça se passe cette année-ci? Ça se passe très bien. Heureux d'être là? Oui. Pas eu peur de la pluie tout à l'heure? Un peu, mais c'est bon, donc on a profité. Ce matin, on ne pensait pas qu'il y aurait du ciel bleu comme ça. Tu n'as pas de joie? Alors Zacharie, il est accompagné de sa maman, évidemment. Vous êtes une maman heureuse cet après-midi? Oui, très heureuse. Vous portez ces oranges? Oui. C'est ma marque. Voilà, le couple mère-fils, évidemment, un couple incontournable ici au carnaval. Merci, Aurélien. Effectivement, des couples avec les femmes de Gilles, on en a déjà pas mal parlé. Et on en reparlera encore certainement. Mais juste avant, on va se quitter quelques instants. Petite page de publicité. On se retrouve. Bonjour à tous. Donc voici le carnaval de Pinche.